Flavien, ça va? Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Tu sais, pendant qu'on chantait là, la pensée, une pensée me venait pour toi là. Dans les temps à venir, tu seras amené à t'installer au Cameroun. Je vois des grands champs. Dieu me montre des 4x4 qu'il te donne. Je vois un champ de manioc, maïs, et je vois d'autres constructions concernant les orphelins, les orphelinats, tout ça. Dans plusieurs villes du Cameroun. Reste toujours un enfant. Dieu va et veut te surprendre. Ça va? Ça va. Il a beaucoup joué à Libreville. Il a fait du foot là-bas. Il y a un frère ici. Comment? Le frère? Idover, c'est ça, là. C'est... Ouais, tu le connais, non? Tu l'as connu, footballeur? Hein? Viens un peu là. Parce que les gens pensent que non, il n'était pas footballeur, c'est ça, non, mais... Donc tu l'as connu, footballeur au Gabon? Ouais, je bénis le Seigneur parce que ça semble le Seigneur est grand. Waouh! Le Seigneur est puissant. En fait, depuis vendredi, on s'est vu, mais. C'est tout à l'heure en échangeant que je me suis rendu compte que c'est j'allais assister oh, wow. à des matchs où il était gardien. Wow. Mais c'était un très grand gardien, il était un peu plus costaud que là. Et à force de jeûner, hein, tu vois, la prière. Déjà, gloire à Dieu. Sincèrement. Donc il était bon. Très bon, mais c'est, mais voici pourquoi on l'avait surnommé Barthez. Ah bon? Donc, oui. Mais tu me l'as déjà dit ça? Mais pourquoi tu m'as caché des belles choses non, comme mais... ça? Vraiment, il était à Mangasport, je crois bien, c'est à Mwanda, c'est-à-dire dans la province du Haut-Ogooué. Mm-hmm. Et moi, j'étais au lycée, et lui-même, il peut témoigner, c'est vraiment une ville où il y a eu plusieurs talents, d'ailleurs, même au niveau de l'équipe nationale. Et souvent, j'allais regarder vraiment les matchs, et il était gardien de but, et très bon, et je me souviens même de ses coéquipiers. Plusieurs, d'ailleurs, je ne vais pas donner les noms, mais on a discuté, lui-même, il le sait. Et pour moi, c'est une joie. C'est vraiment une joie de savoir qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et c'est pareil que pour mon frère Isaïe, parce qu'on a eu un entraînement. Tu le connaissais aussi au Gabon ? Très bien. On a eu un entraînement, je crois, en 2002 ou 2001, je ne sais pas, par là. Il était en vacances, en fait. Mm-hmm. Voilà, il était rentré au Gabon et au stade de la Fopi. Où son papa travaillait, donc on avait eu à s'entraîner parce que mes cousins, en fait, ils se connaissent très bien même. Donc, du coup, quand comment je vois comme ça. Comment l'appeler là-bas Shiva, comment ouais, Shiva Star. Donc, Shiva Star. Et c'était un grand buteur aussi du pays parce qu'il faut dire que je crois la CAN 2000, hein, 2000 ou 2002. 2012. Non, là, tu marques en Afrique du Sud 2000, voilà, avec cousins, tout ça là. Et vraiment, c'est c'est parce que moi aussi j'aimais le foot, mais bon, à cause des études, j'ai dû arrêter. Et c'est des grands moments que je regardais et savoir qu'aujourd'hui ils ont donné leur vie au Seigneur. Personnellement, je suis boosté, quoi. Je vous assure que je dirais que c'est un nouveau départ. J'étais déjà attaché, mais c'est encore. En fait, je découvre que dans le Seigneur, vraiment, il y a des vagues, quoi. Et là, je saisis cette vague-là. Je sais que beaucoup vont donner leur vie parce que c'est vrai ce qu'ils disent. Et c'est la vérité ce qu'ils disent. Barthez, il était intéressant, lui. Ouais. Il était très intéressant avec, je me souviens, tu vois, Herman Sakala. Voilà. Voilà. Après, avec bon, les camarades, les meilleurs au Guy, parce qu'il y a d'autres, on est au lycée ensemble. Mm-hmm. Parce que c'est une ville où beaucoup étudiait, mais en même temps, il jouait. Okay. Et vraiment, ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est vrai. Gloire à Dieu. Ça, vraiment, des encouragements. Et voilà, il est attrapé. Ouais, il faut.
persévérant, quoi. Mmh. Isaïe, persévérant, c'est... J'ai envie de vous tenir dans mes bras et vraiment... Que le Seigneur vraiment... Ouais. Que le Seigneur vous garde. Mais il y a mon frère Ando aussi, là, faut prendre des bras aussi. Ouais, je vais. Désolé, c'est... Comme ça, vraiment... chacun reçoit sa dose. Amen. Hein. Que le Seigneur vraiment garde nos frères et prions davantage pour eux. Amen. Prions davantage pour eux. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas connus, mais ils étaient bons par rapport à leur talent. Il faut le dire, il faut reconnaître. Lui, il était bon et les deux étaient bons. C'est vrai que bon, il faut aussi dire que la presse n'était pas comme autrefois. Parce que chaque année, on voit que les médias aussi s'améliorent. Mm-hmm. Il y a l'évolution. Mais à leur temps, ils faisaient partie des meilleurs de leur génération. Donc, et aujourd'hui, ils font partie aussi des meilleurs de l'armée de l'Éternel. Donc, toi, tu, en tant que footballeur, tu as été initié au vaudou. En fait, ça a commencé un peu plus tôt. Très, 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 très jeune. Dès la sixième, en fait. Ah bon? Oui. Waouh. Les jeux scolaires. C'est là où ça existe aussi le vaudou au Gabon, au Cameroun? Non, au Cameroun, c'était la sorcellerie traditionnelle. Ok. Dont j'ai été initié par mon oncle. Waouh. Du côté de ma grand-mère. Waouh. Pour les matchs de collège. Pour les matchs de collège? Oui, oui. Déjà au collège, quand vous jouez entre vous, là, déjà, il y a la sorcellerie dedans. Exactement. Waouh. Donc, après, donc quand tu joues comme ça, le joueur en face de toi, il te voit comme un lion. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on te donne. Ok. Parfois, le joueur peut arriver devant toi. Est-ce que tout le monde entend quand il parle? Parfois, le joueur peut arriver devant toi, il perd ses sens en fait. Il te voit plus? Il tombe, ou il s'embrouille les pinceaux, voilà. Ou il tire même à côté, voilà. Ou donc toi, t'es dans le but, là, tout ça, là, et le joueur arrive. Ouais. Il ne voit plus rien. Il voit rien. Parfois, tu attires. Il peut chercher à mettre le ballon soit à gauche, soit à droite, mais le ballon vient seulement sur toi. Waouh. Ouais. Et quand toi, tu faisais ça, ça marchait vraiment? Ça marchait très, très bien. Tu as dit que tu avais aussi un marabout attitré. J'avais quatre. Quatre marabouts. Ouais. Toi, tu avais aussi... Attends, deux secondes. Tu avais combien de marabouts? J'avais un. Un marabout. Oui. Un Sénégalais, un Malien, un Congolais, un Africain, un Centrafricain, un Blanc, un Noir. Un Gabonais. Un Gabonais. Ouais. Il y a des marabouts gabonais aussi. Et bon, ça marchait ce qu'il faisait? Oui. Avant chaque match, je devais l'appeler pour lui dire déjà si je commence et à quelle heure est le match. Donc moi j'ai joué, mais lui aussi jouait. Oh! Il joue un match, on va dire, à Évry ici. Le marabout est à Paris. Pendant que toi, tu joues, lui aussi, il joue. Mais il joue contre quoi? Contre qui? Bon, par contre, là, c'est triste. Il joue contre mon coéquipier qui joue le même poste que moi. Mais ton coéquipier n'était pas avec lui là-bas physiquement. Il était avec toi. Ouais, ben... Il prend son esprit. Je ne sais pas comment il faisait. Mon Dieu. Il le neutralise pour que moi, je continue à... Footballeur! Cherchez Jésus. Vous avez des blessures parfois bizarroïdes. Inexpliquées, inexplicables. C'est peut-être un démon qui est venu vous donner un coup de pied. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Je vous dis, voyez comment je sais ça. Dieu est là. Joue avec Jésus. Waouh. Donc le marabout, il joue aussi. Tac, tac, tac. On voit des joueurs qui font des crises cardiaques sur le terrain, on ne comprend pas pourquoi. 23 ans, crise cardiaque. Oh! Mon Dieu, on découvre des choses, hein? Les parents qui veulent à tout prix envoyer les enfants au foot, là, priez d'abord pour eux. Timothée est où, là? Viens me voir, s'il te plaît, un peu. Là. Viens voir mon fils, là. N'aie pas peur, faut pas, papa, non, papa, j'aime pas ça. Non, viens, s'il te plaît, on va prier pour toi, il fait du foot. T'entends tout ça, là? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en vrai, c'est chaud. Parce que. En fait, on peut être derrière la télé, on voit les grands joueurs jouer, tout ça, mais en fait, le vrai monde, c'est celui-là, en fait. Et le monde que nous voyons à la télé, c'est. Comment dire? Une façade. Voilà, c'est une apparence. Et le vrai monde football, c'est ce qui dénonce aujourd'hui. Ah bah, au nom de Jésus. Ça va aller. Gloire à Dieu. Waouh! Donc,
4 marabouts. Oui. Mais pourquoi 4? Pourquoi autant? En fait, ça devient comme une addiction. Comme une addiction. Et puis, on cherche toujours du sensationnel. Quoi? Voilà. Donc, tu disais les marabouts, Flavien, tu disais hier, tu disais, avant-hier, je ne sais plus, que ces marabouts pouvaient prédire. L'issue du match. Les matchs, tout ça. À la seconde près. Donc, leurs prédictions s'accomplissaient parfois. En fait, moi, je croyais au départ que Satan était plus fort que Dieu, Jésus. Tu croyais ça? Oui. Donc le marabout pouvait te dire que le match, voilà, vous allez le remporter, ouais. Et gagner 2 contre 2, voilà, 2-1, 3. Ils donnent même les cartons rouges, les cartons jaunes. Tout, ils prédisent tout ça, oui. Et ça arrive. Et ça arrive. Donc après, ben, on est pris prisonnier parce que on voit que ça marche. Et voilà, bon, je tiens quand même à dire que tous les footballeurs ne sont pas des sorciers. Il y a des footballeurs qui craignent Dieu, qui ne touchent pas à ça. Mais c'est une minorité. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Il y en a. Donc, quand on tombe dans ça, moi, je me rappelle en 2000, je suis sorti meilleur gardien du championnat gabonais. Tu es sorti d'un championnat, ouais. Ouais, deux années successives. J'étais meilleur gardien du championnat. Tu étais le meilleur gardien. Oui. Et parce que tu avais 4 marabouts. Ah oui, entre autres. Ok. Entre autres. En fait, ces gens-là deviennent notre quotidien. C'est-à-dire, on devient tellement addict que ils nous prédisent tout, quoi. Ça quitte même parfois le domaine du sportif pour entrer dans sa vie privée. Waouh, ils te disent même comment te marier, comment exactement, faire les choses, tout ça. Exactement. Donc, on tombe dedans. On a fait des tas de trucs. Je sais pas, on va dans les cimetières la nuit. Pour faire quoi au cimetière? Les gens sont morts là-dedans? Oui. Il y a des cadavres, corps. On allait dans les cimetières pour invoquer les esprits et ça se manifestait. Tu les voyais se manifester là? Exactement. On buvait du vin rouge là-bas dans les cimetières. Mais ça se manifestait comment, Flavien? Dis-nous un peu les esprits qui se manifestent. Un soir, à la veille d'un match très important, on est parti... Dans un cimetière? On est parti dans un cimetière et le marabout qui était avec nous, il nous a dit, n'ayez pas peur, c'est mes ancêtres qui reposent ici. Les ancêtres? Oui, ses ancêtres. C'était son cimetière familial. Il y avait à peu près une dizaine de tombes dans la brousse, dans la forêt. Et alors, nous sommes allés là-bas. Il nous a fait asseoir sur les tombes, parce qu'il n'y a pas d'autre chaise, c'est un cimetière. Et après, il a commencé à parler, il a fait des incantations. Tout d'un coup, on a senti comme un caveau qui s'ouvrait. Oh. Alors, je n'étais pas seul, j'étais avec mes coéquipiers. Et je profite de l'occasion pour dire à mes anciens coéquipiers qui me voient cette vidéo, qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Ça, c'est un film d'horreur, ça. Ouais. Ça. Donc, quand on regarde, par exemple, le clip de Michael Jackson, là, trailer, pareil. C'est exactement ça. Pareil. Ben, c'est ce qu'il faisait, effectivement. Pareil. Donc, le caveau s'est ouvert. On a vu comment la pierre du caveau s'est décalée comme ça. Physiquement. Physiquement. Personne ne le décale, ne le tousse, ne le pousse, rien. On était tous assis, tétanisés. On est dans une forêt noire. On va fuir pour aller... Au Cameroun ou au Gabon? Non, au Gabon. Waouh. Et là, il y a... Quand le caveau s'ouvre, il y a une grosse abeille qui sort. Balèze comme une abeille qui sort. Balèze. Peut-être comme ma paume de main. Ah bon? Une abeille comme ça, là? Oui, exactement. Ça sort avec un vacarme comme pas possible. Et il vient faire le tour de mes coéquipiers et moi, nous tous. L'abeille fait le tour comme ça, là? Oui, il est rentré dans la bouteille parce qu'il y avait une bouteille de vin qui était là. Il est rentré dans la bouteille, il est ressorti. Il est rentré dans le caveau s'est refermé. Oh. Et on nous a servi ce vin-là à boire. Et tu as bu? J'ai bu. Tu es passé par la délivrance hein, depuis. Hein? Jésus en personne. Gloire à Jésus. Jésus, oh, Jésus, tu es digne de louange. C'est terrible, hein? Sous la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Qui est choqué d'entendre ces choses-là comme ça?
On l'invite en pleine forêt, dans un cimetière familial, et le marabout fait des incantations, et un caveau, n'est-ce pas, s'ouvre de lui-même comme ça. Et puis une grosse abeille qui sort de là et qui fait le tour de tout ce qui était là, notamment les joueurs ainsi que leur marabout. Et l'abeille entre dans une bouteille de vin et elle ressort, elle rentre dans, le caveau et puis elle se referme. Et puis on leur sert à boire ce vin, il a bu. Mais vous vous rendez compte de ce que les gens sont capables de faire, tout ça pour avoir un tout petit peu du succès, de gloire et avec de l'argent. Et ils meurent pour se retrouver en enfer. Et aujourd'hui, bien sûr, Dieu l'a délivré. Depuis 10 ans, Plus de 10 ans, tu es converti. Je suis à ma ancienne année. Voilà, je me rappelle de sa conversion. Au début, c'était vraiment, le Seigneur avait beaucoup visité. Marié, père de plusieurs enfants. Aujourd'hui, ben, gloire à Dieu. Et, hein, Dieu lui a mis à cœur de construire un orphelinat, de mettre en place un orphelinat. Il a construit, il a mis en place cet orphelinat à Douala, avec combien d'enfants déjà là ? 13. 13 enfants. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui sont là ? En fait, je voudrais surtout m'adresser aux parents. C'est Dieu qui donne la capacité. Nous, on croyait que c'est le marabout qui donnait la capacité à jouer au foot. Mm-hmm. Mais après, nous avons compris qu'en fait, c'est Jésus qui donne la capacité. Si un enfant a du talent à jouer au foot, qu'on l'accompagne, mais qu'on le laisse évoluer selon ce que Jésus a décidé. Faut pas lui mettre la pression. Faut pas lui mettre la pression. Parents, écoutez bien, hein, les parents. C'est la pression qui fait en sorte que certains parents même quittent ici, ils amènent les photos de leurs enfants en Afrique. Le dernier programme qu'on a eu au Cameroun, j'ai eu un songe où le Seigneur me disait, va prendre tes photos que tu as laissées chez le marabout. Les photos que tu as laissées chez le marabout, tu es parti les récupérer ? Je les ai récupérées. Tu es parti le voir ? Oui. Il a accepté de les donner ? Il m'a donné. Il n'est pas mort, ce monsieur ? Il voulait m'appeler mon fils. J'ai dit non. Il n'y a pas de mon fils. Waouh ! Gloire à Dieu. Je lui ai dit, le Seigneur me demande de me donner mes photos que tu as chez toi. Il m'a dit, bon, viens les chercher. Waouh ! J'ai pris mes photos. Donc, quand on est parti en mission, là ? Oui. Ah, le Seigneur t'aime, hein? Oui. 10 ans après. C'est beau. Donc, je disais aux parents, n'envoyez pas vos photos, les photos des enfants. C'est de la sorcellerie. Jésus, s'il veut que l'enfant joue au foot, il jouera au foot. Et j'ai dit aussi aux footballeurs qui sont ici, professionnels. Moi, je n'ai pas connu le monde professionnel parce que je me suis arrêté en CFA quand je suis arrivé ici. Ne faites pas le truc comme l'astrologie, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, c'est un peu maquillé, mais le résultat est le même. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, je les invite à suivre Jésus. Et ceux qui le connaissent, de rester plus près encore à ses pieds. Et j'invite aussi à mes anciens coéquipiers, d'autres qui sont sélectionneurs, des sélectionneurs nationaux maintenant. Il y en a même, tu me disais, qui ont des rapports sexuels avec leur mère. Exactement. Voilà. Que tu connais ? Oui, je connais, oui, personnellement. Donc, on les invite, vraiment. Il y a d'autres même qui ont fait disparaître les grossesses dans le ventre de leurs femmes. Des choses horribles. Je les invite de ne pas rester dans cet état, de venir à Jésus. Jésus ne nous juge pas. Jésus ne nous condamne pas. Il nous compatit. Il nous nettoie. Et il nous donne une nouvelle identité. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et pour mes frères. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Mais tu vois, Flavien, moi je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience que nous dans ce domaine. Je pense que c'est important quand même de faire, à moins que le Seigneur ne le demande pas, de faire des émissions pour conscientiser un peu les gens, pour sensibiliser la jeunesse, tu vois, donner, je sais pas, des gens qui peuvent... voilà, recevoir des conseils pour éviter ces pièges. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hein, qui font du foot. Qui fait du foot ici, là ? Qui fait du foot ? Il y a pas, aujourd'hui, il y en a pas mal qui font du foot et qui nous écrivent, tout ça, qui viennent nous voir. Donc, il faut vraiment... je pense que ce serait une bonne chose de temps à autre de pouvoir faire des émissions pour parler de tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de couples qui se brisent à cause de ça. Voilà. Vous voyez, il y a un frère, là, un footballeur, là, qui a été vendu... Combien 20 millions. Hein. Donc, c'est beaucoup d'argent qui sont gagnés, ça brasse beaucoup, des milliards, des millions. 20 millions, vous vous rendez compte ? Un salaire de 2 millions parfois, 1 million par mois.
200 000 par mois, ça te tourne la tête. On a des frères qui sont agents de foot et ils ont besoin d'entendre ces choses-là pour qu'ils soient corrects, pour qu'ils soient vrais avec le Seigneur. Vous voyez ? Parce que c'est beaucoup d'argent qui sont brassés. C'est pour cela que oui, ça fait un buzz. Mais Dieu se sert de ça, mon frère Esaïe, pour interpeller. Tu vois ? Afin que son nom seul soit élevé, connu. Parce que David me disait tout à l'heure qu'il y a au moins 48 médias qui ont relayé cette information. C'est gloire à Dieu. Mais je crois que ça va continuer encore. Ça va continuer parce qu'il faut faire des émissions là-dessus. Il y a des émissions sur le foot où les gens sont encouragés à voilà, on leur donne des conseils, tout ça. Des émissions païennes, hein. Mais pourquoi pas avoir des émissions comme ça? Moi, je pense que TV de vie est là. Il y a aussi Vivre l'Évangile. Vous pouvez faire des émissions avec des frères de Niort là-bas. Et voilà, pourquoi pas aussi avoir une chaîne comme ça là, pour vraiment annoncer la parole aux footballeurs, aux sportifs. Donc il faut une vision comme ça, là, ça va aider.